Cathy. Bonsoir. Alors Cathy, bah, écoutez, au début, moi je l'ai vu danser et puis on a parlé. Et puis en parlant, on est devenus amis. Enfin, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Et puis un jour, eh bien, elle m'a dit, bah tiens, je vais créer une chorégraphie sur une de tes compositions originales. C'est comme ça, hein, Cathy. C'est juste comme ça. Voilà. Donc je vais vous proposer un morceau à moi qui s'appelle Little Black Train, que je vais chanter tout à l'heure. Et vous allez apprendre la choré de Cathy qui s'appelle Love Train. Voilà, et comme ça vous danserez sur mon morceau. Le compositeur s'appelle Bobs. Et maintenant je te laisse travailler, ma cocotte. Merci. Ça va toujours? Oui. Alors, bon, moi j'ai l'accent français, contrairement à Guylaine, donc j'essaierai de me comprendre parce que sinon c'est très grave pour moi. Donc cette danse est en deux parties. Les pas sont très très simples, mais la musique est un petit peu rapide. Donc on va s'accrocher un petit peu, quoi. Hein. Donc on va commencer par la première partie, évidemment. Donc on commence par un shuffle quart sur la droite, un shuffle demi sur la gauche, de nouveau un shuffle quart sur la droite et un shuffle demi sur la gauche. Donc vous devez tous être vers les buts là-bas. On refait ça? 7, 8. Shuffle quart, shuffle demi, shuffle quart, shuffle demi. Ensuite, on va faire un running back sur la droite, qu'on va terminer avec un touch et un clap. 7, 8. Running back, touch, clap. Ensuite, on va faire un running back sur la gauche. Attention, on va terminer par deux tours sur le côté droit. 7, 8. Running back, son, son, vers la droite. Hein. La première partie est terminée. Ouais. Vous vous souvenez, on va faire entier. 7, 8. Shuffle clap, shuffle demi, shuffle clap, shuffle demi. Running back, touch back. On va pivoter sur le côté gauche, donc un huitième, posez votre pointe devant, pivot un huitième, pivot un huitième. On est tous dans le même sens, parfait. Pour commencer ça, 7, 8, shuffle, shuffle, pivot, pivot. Ensuite, talon droit en diagonale, talon gauche diagonale, talon droit en diagonale, de nouveau deux stomps sur le côté droit, stomp, stomp. Et ça, on fait deux fois. On va le faire deux fois à la suite, là, de suite. On y va. 7, 8. Talon, 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 stomp, stomp, talon, 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 stomp, stomp. On va le refaire un peu plus parce que j'ai vu qu'il y a des tout petits soucis. On y va. Juste les talons. 7, 8. Talon, 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 stomp, stomp, talon, 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 stomp, stomp. Ouais, super. Et après, c'est terminé de nouveau. Donc, on commence avec les cheveux. En avant, on fait toute la partie B. 7, 8, shuffle, shuffle, pivot, pivot, talon, 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 talon. Est-ce que ça va? En tout cas, on est tous ensemble, c'est déjà pas mal. Alors, il y aura une partie A, une partie B, et ensuite, c'est que 2 A, 2 B, 2 A, 2 B. Donc la partie A, ce sera, quand lui chantera un peu Black Train. Et la partie B, c'est quand elle chante en français. Pour vous repérer, la partie A est rapide. Alors, on va s'accrocher. Merci, Cathy. Alors, c'est parti pour un C'est Popo qui a des paroles en français. Thank you.
Je ne connais pas tout.